Nous voici celui dont tout le monde parle aujourd'hui. Il reste sur un bilan de 4 buts inscrits lors de ses 3 derniers matchs. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur eSports. Salut à toutes et tous, ravi de vous accueillir depuis le stade Benito Villamarín à Séville. C'est moi, Hervé Matou, qui vais essayer de vibrer devant vos actions. Alors, place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander, le Betis Séville. Oh, il a de la place devant lui. Oh oui, la belle intervention du gardien. Ouais, c'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. Le défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. On voit les images au ralenti, ce cadeau vraiment, ce ballon offert à l'adversaire. Inutile de vous dire que le manque de touche est furieux. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ouais, c'est propre ça. Bernardo Silva. Oh, le bon ballon pour Gabriel Jesus. Attention. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Chercher une solution là. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Binder. Ouais, bon pressing du défenseur. Bernardo Silva. Théo Hernandez. Federico Valverde. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, la belle frappe, mais qui manquait d'un petit peu de précision. Ça, c'est très bien défendu. Bernardo Silva. Alvaro Adriozola. Ouais, c'est bon, hein, ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Federico Valverde. Ah, la passe en profondeur, attention. Là, il fallait intervenir urgemment. Choisis la frappe. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Cherche le point de pénalty. Bernardo Silva. Binder. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Le ballon qui change de possession. Ballon qui est donné en profondeur.
Ouais, c'est pour le gardien. Ruben Dias. Real qui va bénéficier d'un coup franc. La Liga espagnole qui sera à l'honneur avec cette rencontre. Le Betis Séville accueillera Retafe à domicile. Et cette fois, l'équipe a officiellement gagné sa série. Elle a parfaitement mené tout cela. Ibrahim Sangaré. Ah, elle progresse bien là. Il va pouvoir centrer. Ouais, c'est bon hein, ce qu'ils font les joueurs du Real. C'est précis, c'est fluide. Et le gardien, c'est pas fini. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Gabriel Jesus. Ouais, ça pousse bien du côté du Real. Ah, il y a toujours un pied qui traîne. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ouais, il a dribblé, magnifique. Hors-jeu signalé sur cette action. Mauvais placement par rapport à la défense. Fernandez. Sergio Canales. On cherche des solutions là. Oh, il y a du monde, il y a du monde dans la surface. Bernardo Silva. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. La fin du temps réglementaire et seulement une minute de rajouté par l'arbitre. Oh, l'intervention magnifique dans les buts. Cette tête était magnifique. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment d'en gagner les vestiaires, 1-0. Le Real Madrid qui va donc aborder cette seconde période avec un avantage au score. À l'interception. Je crois qu'il y a eu un but au RCDE Stadium à Barcelone, dites-nous. Oui, Hervé, c'est le premier but pour Villarreal. Un but marqué par Luka Jovic à la suite d'un tir dévié. Incroyable, l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois. Les supporters qui se réveillent hein, tout à coup. Après tout, c'est vrai que l'égalisation pourrait venir. Ouais, la reprise de la tête, hors cadre. Un petit peu sous pression. Bernardo Silva. Vous voyez s'afficher sur votre écran le programme avec ce match qui a lieu tout à l'heure et qui fait très envie. Ouais, c'est un choc, on a vraiment hâte qu'il commence. Ce sera plus très long, c'est pour bientôt. Sergio Canales. Attention, ça peut être dangereux. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ouais, bonne anticipation sur cette passe. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Gabriel Jesus. Attention. Oh, le but. Oh, sur le poteau et ça rentre. Cette action décisive partie de ce centre. Après, je crois que tout le monde a été surpris par la finesse de cette volée, à commencer par le gardien.
enchaîne les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah non, le ballon est perdu. Chercher l'ouverture, bien sûr. Oui, la frappe. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Ah, il est bien parti, ce corner. Et la tête, c'est à côté du cadre. Dommage. C'est pas passé loin. La défense adverse qui a toutes les peines du monde à contenir cette équipe aujourd'hui. Les chiffres qui vous indiquent combien le score est logique. On va assister à un changement dans cette équipe. Brahim Sangaré. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Ouais, l'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Avec un tir. Ouais, Thibaut Courtois est là. Un petit corner pour peut-être relancer l'équipe, pourquoi pas. Les supporters qui s'agitent un petit peu. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, le bon plongeon là de Courtois. Le corner est tiré au cœur de la surface. Incroyable, l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Et c'est l'évier, dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Ouais, bien tiré ce corner. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Il semblerait qu'il y ait eu un but à Barcelone, au RCDE Stadium. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur des Pericos de l'Espagnol Barcelone. On en est donc à 2-1 et nous en sommes à 69 minutes de jeu. Parfait, merci pour ce point rapide. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Federico Valverde. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Winter. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Théo Hernandez. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Brahim Sangaré. Non, elle a été interceptée cette passe. Eduardo Camavinga. Ouais, très bon tacle. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Pas grand monde là pour revenir défendre. Encore une fois, le ballon intercepté. On cherche une solution. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, attention au danger. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. La frappe. Ouais, la belle frappe, mais ça passe à côté. L'entraîneur qui va faire un changement. Restez prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour l'instant, l'équipe semble se diriger vers une victoire avec ses deux buts d'avance, ce qui lui donne un bon matelas. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Ferran Torres. Oh,
Oui, idéalement servi. Attention. Donne en retrait. Oh, le super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Deux minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Oh, il est passé. Oh, le but. Oh, le but venu d'ailleurs. Magnifique ralenti, hein, cette frappe. Même au ralenti, elle va vite. C'est une mine incroyable. L'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match remporté par le Real Madrid. La victoire très nette qui marquera un petit peu les esprits. Les regards vont être beaucoup braqués sur lui aujourd'hui. Irrésistible, hein, sur les trois derniers matchs disputés, il a marqué 4 fois. Ne bougez pas, on revient tout de suite en direct sur EA Sports. Bonjour à tous, bienvenue à Paris, au Parc des Princes, avec une météo assez clémente, un très beau temps aujourd'hui pour cette rencontre. Et c'est moi, Hervé Matou, qui vais vous présenter ce match depuis ma petite cabine. Au bout de ce quart de finale retour, il y aura une place dans le dernier carré pour l'équipe qui va survivre, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. L'équipe visiteuse qui arrive avec cette petite avance, cette petite... Elle va aller au fond, elle va aller au fond. Oh, l'ouverture du score. Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. Là, c'est même plus un cadeau, hein. À ce stade, c'est une invitation à marquer. Regardez ce ralenti qui est vraiment cruel. Une marque cumulée des deux matchs qui est maintenant de 4 buts à 1. Boubacar Camara. Bernat. Un redoublement de passe, bien joué. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Il va y aller. Et ça fait but. On voit bien sûr les images. C'est le passe en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Ensuite, c'est le talent qui fait le reste. C'est quand même un excellent placement. Ouais, superbe ce geste défensif. Il progresse. Il cherche la solution. Ouais, bien vu le centre en retrait. Et c'est renvoyé par le poteau. Toi, attention, c'est pas terminé. Oh, que c'est bien donné ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Federico Valverde. Oh, le Real qui marque. Allez, le ralenti avec cette première intervention de la défense qui ne suit pas, qui est trop statique.
le ballon est perdu. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Ça peut donner quelque chose, ça. Ah, mais on peut dire que ça a été chaud, hein, pour la défense. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Mbappé. Mbappé. Il faut qu'il centre maintenant. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Zakaria. Attention, Kylian Mbappé dans la surface. Ah oui, cette fois c'est fait. On voit ce but. C'est quand même un petit peu problématique, hein, quand le gardien prend comme ça au premier poteau. Avec ce dernier but, le score sur l'ensemble des deux matchs est porté à 6-2. A demandé du pressing. Lionel Messi. Mbappé. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il n'y a pas grand monde pour contrarier le Real Madrid sur les ailes. Le centre. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Tentative de loin. Pas de souci pour le gardien. Corner en direction du point de pénalty. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Mbappé. Achraf Hakimi. Bon, ça c'est bien joué dans la course. Et on a dégagé pour écarter le danger. Ça peut devenir dangereux. Mais non, finalement, ça ne donnera rien. Ah, la passe en profondeur, attention. Gabriel Jesus. Allez, il peut marquer certainement là, Gabriel Jesus. Mauvais dégagement, mal fait. Vinicius Junior. Oh oui, magnifique. Magnifique pas de Donnarumma. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Bernat. Messi. Kylian Mbappé. Ah, c'est bien défendu. On va pouvoir centrer. Mbappé en bonne position. Et le but. Le but signé Kylian Mbappé. Cette série de passes à l'origine de l'action. Et pour le gardien, se faire prendre au premier poteau comme ça, c'est rageant. Ça fait quand même 9 buts sur le total des deux matchs. Ça fait 6-3. Ça va être une touche. Matic de Ligt. C'est bien donné dans l'espace. Casemiro qui marque. Oh, c'est le genre de situation qu'il aime bien. On voit le but avec la passe en profondeur, bien donné dans la course. Ensuite, il décide de conclure en force. Ils sont face à face. Thank you.
c'est le bon choix. 4 à 2, avance de début pour les affichages. Seulement une minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Zakaria, il porte le ballon. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Oh, heureusement qu'il était là. Mi-temps, c'est la mi-temps ici sur ce score de 4-2. Quel match hein, quand même. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période, c'est le Real hein, qui engage. On a bien défendu. Zakaria. Un ballon qui est donné en profondeur. Il va être à bout portant. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Mauvaise relance. Et à suivre prochainement, on aura de la Liga au programme avec cette rencontre. Le Real accueillera l'Athletic Bilbao à domicile. Ouais, il repousse, ça joue. Ouais, l'avantage n'a pas profité. L'arbitre revient au coup franc. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Le numéro 25, Eduardo Camavinga. Son remplaçant, le numéro 8, Lucas Paqueta. Bernat. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Il protège son ballon. Oula, la récupération au bon endroit. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Il va y avoir un remplacement. Le numéro 1, Ismaël Benacer. À sa place, le numéro 27, Idriss Agué. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Et la tête, mais pas de souci hein, dans les buts. Ça manquait de conviction. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Lucas Paqueta. Bonne anticipation sur cette interception. Mbappé. Bernat en position idéale pour centrer. Il repique au centre directement dans les bras de Thibaut Courtois. Super ballon. Zakaria. Ouais, ça c'est bien taclé. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Gabriel Jesus. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Léo Messi. Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. Federico Valverde. Très mal donné hein, ce ballon. Messi. Ils reprennent possession du ballon. Ah oui, c'est bien fait ça. Il va pouvoir lancer le contre.
Le tir. Oh, c'est raté. Oh, dommage. Ça a été joué presque trop finement, ce coup. Le ballon change de camp. Oh, le bon ballon. La reprise de volet. Oh, magnifique. Le duel gagné. Super réflexe dans les buts. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ah, il dégage ce ballon. Un centre à destination de ses partenaires. Et oui, il marque. Et on va revoir ça pour le plaisir. Avec le centre de départ. C'était quand même un but évitable. Hein. 5-2 à 2. Les spectateurs sont gâtés, à vue en tout cas. Interception. Ferran Torres. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Achraf Hakimi. Gana maintenant. Paredes. Lionel Messi. Il faut qu'il centre là. Oh, bien défendu, ça aurait pu être chaud. Allez, il tente la petite passe aérienne. Il cherche un partenaire en profondeur. L'action qui n'est pas encore terminée. Oh, le ballon au fond du filet. On va revoir cette action, ce ballon lobé qui a mis toute la défense hors de portée. Je vois la force à la fin. Puis, il n'a pas cherché à placer son ballon. 6-2, le score qui est quand même très très loin. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, il a des soutiens aussi. Kylian Mbappé. Oh, la parade magnifique sur cette belle frappe. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Le Messi qui frappe ce corner, bien parti. Ouais, belle présence hein, du gardien dans sa surface sur ce corner. On va peut-être assister à une contre-attaque. En profondeur. Ouais, l'action pouvait peut-être aller au bout, mais bonne interception. Lionel Messi. Et il progresse vers le but. L'arbitre qui donne le coup de sifflet final de cette rencontre. Et on retrouvera bien sûr le Real Madrid au prochain tour. Une qualification assez tranquille qui va donner beaucoup de confiance à l'effectif. Sur ce que l'équipe a montré sur ces deux matchs, on se dit qu'elle peut encore aller plus loin.